Vous vous dites gaulliste et de Belgique, vu que je suis belge et qu'on est en Belgique, on a du mal à comprendre un petit peu ce qu'est le gaullisme. Donc, que signifie pour vous être gaulliste en 2020? Alors, le gaullisme, bah, là-dessus, je vous enjoins à lire les mémoires de Gaulle, qui sont des bouquins passionnants, quoi, tant sur la guerre que sur sa période de gouvernement, même si elle concerne plus la France et les Français, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Bah, le gaullisme, déjà, c'est la défense acharnée de l'indépendance nationale dans toutes les conditions, et c'est bien sûr le patriotisme, mais une certaine forme de patriotisme. De Gaulle, ensuite, défend à la fois le peuple français et la nation. Il n'est en fait ni de droite ni de gauche, et c'est ce qu'il revendique. Il a été récupéré par la droite française, mais en fait, d'ailleurs, qui n'est plus gaulliste, qui se nomme gaulliste, mais qui ne l'est plus. Mais il n'est ni de droite ni de gauche. Il est et pour le peuple et pour la nation, sachant qu'habituellement, la droite défend la nation et la gauche défend le peuple. En fait, sa pensée, c'est d'unir le peuple français pour que c'est ça qui permet de réaliser de grandes choses dans l'histoire de France. De Gaulle connaît très très bien l'histoire de France, il sait très bien d'où vient le peuple français, son histoire, sa culture, ce qu'il est aujourd'hui, et c'est ainsi qu'on peut gouverner le mieux possible un peuple en prenant ses qualités et perpétuer ainsi la France. Mais c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi, c'est complètement cohérent la pensée gaulliste avec sa vision vis-à-vis des autres nations, c'est-à-dire que la pensée gaulliste, c'est de respecter l'ensemble de toutes les autres nations, toute leur culture. Leur possibilité d'être autonome et d'être indépendante. Et la France, là-dessus, justement, pèse face aux empires. Elle pèse parce que c'est une puissance d'équilibre face aux empires qui empêche aux empires d'aller trop loin. Alors, dernière petite chose sur le gaullisme. En fait, tout le monde croit que De Gaulle, pour lui, l'économie, c'est de l'intendance et c'est pas important. L'intendance suivra. C'est faux. En fait, quand vous lisez les mémoires de De Gaulle, il dit que la moitié de son temps au gouvernement était passé à gérer l'économie. Donc, il n'y avait pas seulement les projets nucléaires, d'avions, d'indépendance stratégique, géopolitique. Il y avait aussi l'économie qui était fondamentale pour lui. Il passait beaucoup de temps dessus. Et effectivement, c'est le refus du libéralisme économique, hein, qui est devenu maintenant un ultra-libéralisme économique, 40 ou 50 ans plus tard. Et c'est une économie où l'État a son rôle, a un contrepoids. Elle est orientée par l'État avec le plan, le commissariat au plan, qui va permettre, par exemple, qui pourrait permettre dans l'avenir de développer l'économie hydrogène, de développer la transition écologique en France, une autre forme d'agriculture, et puis aussi par le contrôle du crédit, c'est-à-dire il sait que les banques, le pouvoir des banques est dangereux parce qu'il est tellement puissant. On voit bien que la finance a pris un peu le pouvoir sur la démocratie en France et dans d'autres pays occidentaux. Et pour lui, il y a un contrôle du crédit pour que le crédit soit orienté vers les activités productives, vers les activités qui l'intéressent, et non seulement vers les activités de spéculation, avec toujours comme objectif la puissance de la France et le progrès technologique et aussi le progrès social. Donc un peu le gaullisme, c'est un peu un synonyme de souverainisme et d'État fort. Ça, vous le résumerez comme ça? Tout à fait. En prenant vraiment fondamentalement en compte ce qu'est le peuple français, un gaullisme belge, ce serait effectivement en prenant ce qu'est le peuple belge, ses qualités, ses défauts spécifiques, puisqu'on a des différences, les peuples ne peuvent pas se gouverner de la même manière, en prenant en compte les qualités donc propres du peuple français pour le projeter vers l'avenir.